Exercices dynamiques, mise en situation, démonstration de matériel et ateliers statiques, tel était le programme du GSD Pédago, activité majeure de l'espace d'entraînement de la 1ère brigade logistique, se déroulant à Mourmelon du 26 septembre au 21 octobre 2011. Les objectifs de l'espace d'entraînement de la 1ère brigade logistique sont triples. Tout d'abord, il s'agit de renforcer la cohésion de la brigade par faire l'instruction individuelle et collective. Il s'agit de poursuivre les objectifs de certification de la brigade en matière de numérisation. Ce fut également l'occasion pour la 1ère BL de partager ses savoir-faire avec une unité de l'armée britannique. J'étais en Afghanistan l'année dernière, à Kaboul. Il y a toujours des Français, donc c'est très important de travailler ensemble. Les techniques spécifiquement, c'est presque la même chose. La France et la Grande-Bretagne se sont engagés à mener des actions bilatérales et au moment de l'exercice Flandre, nous avons déployé un binational support group. Les logisticiens de la brigade sont avant tout des soldats. À cet effet, entretenir les fondamentaux du combattant est un autre temps fort de ces 4 semaines de terrain. Alors aujourd'hui, nous venons de participer avec mon peloton sur le village de combat de Vadney à un petit rallye combat en localité sur le principe de franchissement d'obstacles en groupe, avec des appuis posés sur l'avant, l'arrière, une sûreté complète et une prise de renseignement. Donc l'espace d'entraînement brigade permet de réaliser tout ça sur un laps de temps assez court. Prochain déploiement de la brigade logistique au camp de la Courtine en mars 2012.